Donc aujourd'hui, là, je vais vous parler du shilajit. Donc le shilajit, ça s'écrit, pardon, Shilajit. Donc c'est parti. Non, oui, pardon, j'ai oublié de vous dire que c'est une traduction d'un lien. Bon, la traduction n'est peut-être pas parfaite, mais elle est très compréhensible. Donc voilà, là n'est pas l'important, mais je préférais vous le dire. On trouve partout des solutions pour ceux qui ont des yeux à voir. Le shilajit, l'un des médicaments les plus prisés de toute l'Asie depuis quelques milliers d'années, en est un parfait exemple. Dans son habitat sauvage, on pourrait pardonner de penser simplement que c'était une substance ressemblant à du goudron. Suintant des fissures entre les rochers en haut des montagnes de l'Himalaya. Et les habitants l'ont fait pendant des milliers d'années. Cependant, dans l'Antiquité, il fallait rechercher des indices dans la nature pour mieux comprendre leur habitat naturel. En particulier, ce qui était sans danger et ce qui était du poison. La fascinante histoire de Shilajit. En voyant des groupes de chimpanzés indigènes grignoter le goudron Shilajit, et en constatant que ceux qui le faisaient semblaient être les plus forts, les plus intelligents, les plus durables du groupe. Donc ceux qui vivaient plus vieux, je suppose, donc au niveau de la traduction. Les peuples autochtones ont commencé à ingérer eux-mêmes le terrain minéral noir de nuit. Donc cette substance noire. Lorsqu'ils ont aussi commencer à ressentir les avantages. Rétablissement rapide de leur santé et amélioration de leurs capacités cognitives et physiques. Ils ont su qu'ils étaient tombés sur une grande découverte. La tradition orale dit que c'est ainsi que Shilajit a été découvert. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais dans les deux cas, des décennies d'analyses scientifiques approfondies. Et d'études ont révélé que Shilajit est l'une des substances les plus denses en nutriments de la planète. Qui plus est, les nutriments qu'il contient, tels que les acides humiques et fulviques, naturels, deux des plus puissants détoxifiants naturels des métaux lourds, et autres polluants qui perturbent les fonctions naturelles du corps et sont assez rares à l'injection. Connu par euphémisme comme le destructeur de la faiblesse, on peut en apprendre beaucoup sur les incroyables propriétés et avantages de Shilajit. En comprenant le processus de création. Au cours des millions d'années, la végétation primitive, luxuriante, qui recouvrait autrefois l'Asie, était décomposée par des forces de la nature et finissait par devenir extrêmement compacte sous le poids des montagnes. Qui se formèrent plus tard lors de la collision des plaques continentales. Plus de 6500 espèces de plantes anciennes différentes ont passé plusieurs millénaires dans une sorte d'alchimie géologique qui a créé une substance épaisse, noire et ressemblant à de la résine, emprisonnée au plus profond de l'Himalaya, du Caucase et d'autres chaînes de montagnes célèbres de la région. Les moussons incessantes et la pression toujours croissante ont finalement amené le goudron à s'infiltrer dans les fissures des rochers des flancs des montagnes. Des analyses et des études scientifiques intenses ont révélé que le shilajit, est l'une des substances les plus denses en nutriments de la planète. L'analyse en laboratoire de Shilajit révèle un spectre complet de tous les minéraux essentiels de la planète sous forme ionique, le plus facilement absorbable et assimilable par le corps humain. Les scientifiques ont également découvert des acides aminés, acides fulviques et humiques, acides élagiques, acides gras et stérols végétaux.
qui ont tendance à avoir un effet harmonisant sur le système hormonal endocrinien parmi beaucoup d'autres. La résine chilagite, l'adil-i-chilagite, au service de votre corps, provient d'une famille de la 10e génération d'alchimistes, à base de plantes considérées par beaucoup comme l'une des meilleures chilagites au monde. Il peut être coupé au couteau et sa texture est semblable à celle d'un bonbon dur. Bien que plus souple. Bien que les chamans et les guérisseurs de l'époque n'aient pas pu comprendre sa composition complexe et inhabituelle, ils pouvaient facilement discerner les effets bénéfiques de chilagite sur les personnes qu'ils traitaient, ce qui constituait un rétablissement massif de la santé et du bien-être. Les avantages de chilagite réduit le stress et améliore le sommeil et l'endurance. Chilagite agit sur de nombreux systèmes différents du corps, ce qui lui vaut une place parmi les précieux médicaments naturels appelés adaptogènes, ce qui signifie qu'il aide à rétablir l'équilibre de son système, que ce soit en réduisant les excès, stress et cortisol par exemple, ou en carence nutritive. Favoriser un sommeil profond et donner l'endurance, de la force et de l'endurance. Il se répète un peu. Au sein des divers systèmes de l'organisme. Équilibre les hormones, stimule la libido et soutient la longévité. L'une des principales façons de le faire consiste à agir sur le système endocrinien. En tant que maître contrôleur des milieux entre, pardon, je recommence la phrase. En tant que maître contrôleur des milliers de processus du corps soigneusement réglés, les hormones ont leur absence ou leur absence ont une très grande influence sur votre santé. Ils contrôlent l'humeur, la libido, les cycles veille-sommeil, la croissance des cheveux, la cognition, l'énergie, la conscience et bien plus encore. Par conséquent, il n'est pas surprenant que chilagite soit depuis longtemps reconnu pour sa capacité à restaurer la fonction sexuelle, à promouvoir les capacités cognitives, à réduire l'anxiété et le stress, à améliorer l'humeur et à prolonger la durée de vie. Assez impressionnant, bien sûr. Réduit la douleur et l'inflammation, favorise la guérison et détoxifie des métaux lourds. Cependant, les propriétés médicinales bénéfiques de chilagite ne se limitent pas au système endocrinien. Il a également été prouvé qu'il réduisait la douleur et l'inflammation, ce qui en fait l'un des remèdes les plus recherchés pour les personnes souffrant d'arthrite. Il a également un effet curatif sur le tube digestif, avec une capacité remarquable à réparer les intestins ulcérés et à contrôler les bactéries nocives. Et bien sûr, c'est aussi un excellent reminéralisant et détoxifiant, éliminant les métaux lourds et les remplaçant par ceux dont le corps a besoin pour sa santé et son bien-être. Il a également été utilisé pour traiter les allergies, la malnutrition, l'anémie et les fractures. C'est un peu comme l'eau, la vie est meilleure quand on la consomme régulièrement. Comment prendre le chilagite? Choisir un produit de qualité. On en trouve souvent, chilagite, en train de s'infiltrer sauvagement dans de nombreuses chaînes de montagnes en Asie, bien que chaque culture ait son propre nom. En Asie occidentale et centrale, on l'appelle généralement mo miyo.
M-O-O-M-I-Y-O. Mais dans les régions situées à l'intérieur et autour de l'Himalaya, on l'appelle Shilajite. Bien que cela puisse sembler sémantique, il s'agit d'une distinction importante en raison du fait que selon la source, Shilajite, Momiyo, aura des compositions différentes. De manière générale, on pense que la meilleure qualité de Shilajite provient de la région de l'Himalaya. Himalayan Mountain Shilajit est récolté dans les régions isolées des montagnes himalayennes. Cependant, comme Shilajit est assez rare et difficile à collecter, ainsi que par le fait que l'approvisionnement mondial provient des pays en développement, la qualité varie considérablement entre les produits actuellement disponibles dans divers magasins et sites web d'aliments santé. La forme la plus recherchée et la plus rare est la résine minérale noire nuit, avec seulement une poignée d'entreprises qui la vendent dans le monde entier. C'est un goudron collant d'aspect humide qui est une forme de shilajite, intensément concentrée et purifiée. Cela peut être coûteux, mais même si un peu va un long chemin. La traduction n'est pas terrible. Faisant même une petite quantité durer pendant des mois. Même à des doses les plus élevées. Cela étant dit, il existe de nombreux produits shilajites d'excellente qualité, plus abordables, qui se présentent sous forme de poudre. Bien qu'ils soient généralement un peu moins concentrés et puissants que la résine pure, les principaux avantages de la poudre sont la facilité d'utilisation, le prix et la possibilité de mesurer des quantités précises si nécessaire, car la résine elle-même est très collante. Lors de l'utilisation d'une poudre, le discernement est nécessaire, car toutes les marques ne sont pas égales. Dans la section qui suit, nous recommandons certaines poudres shilajite de haute qualité, puissantes et d'une intégrité élevée, non adultérée. La grande majorité des produits disponibles dans le monde sont en réalité les poudres de shilajite diluées. La résine shilajite pure est composée d'environ 2% à 10% d'acide humique et fulvique naturel. Le reste étant composé de minéraux et d'autres substances médicinales. Toutefois, les produits adultérés sont généralement composés de 10 à 30% de poudre de shilajite réellement et d'environ 70% à 90% d'acide humique et fulvique extrait, qui peuvent être produits à bon marché en laboratoire et ajoutés par la suite, sans être dangereuses. Sans être dangereuses, les poudres falsifiées de shilajite ne possèdent pas les mêmes propriétés médicinales puissantes. Pardon, j'ai un truc qui me gêne, donc voilà. Authentique, la qualité shilajite a toujours une odeur distincte et forte, semblable à du goudron, qui est indéniable. Si le produit que vous possédez n'a pas une odeur remarquablement intense ou ne semble pas évanoui, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, il s'agit probablement d'un shilajite ancien ou dilué. Shilajite n'est pas cultivé comme la plupart des herbes et des aliments. Il n'y a donc pas de distinction biologique ou conventionnelle si authentique et sans mélange. Shilajite est une fabrication sauvage, ce qui lui confère des propriétés de guérison incroyables. Donc voilà. Donc le lien est fini. Donc d'après ce qui est mis, donc voilà, c'est pas un produit transformé, c'est un produit de la nature. Donc ce qui est très très bien.
Donc voilà, donc moi je vais voir sûrement pour en commander un petit peu. Donc voilà, je ferai une recherche sur internet. Hein. Si vous voulez faire comme moi, vous faites comme moi. Je pense qu'il n'y a pas forcément, même si moi je trouve un produit, il ne sera pas forcément mieux que le vôtre. Donc voilà, bah écoutez, si ce produit vous intéresse, moi franchement, vu mes problèmes de santé, il m'intéresse énormément, forcément. Et puis il faut savoir que le corps a besoin d'énormément de nutriments. On en manque tous. Donc le fait de se recharger en nutriments, et apparemment c'est un des produits, on va dire, naturels les plus chargés en nutriments. En plus, qui contient de l'acide humique et fulvique, donc qui peut enlever certains métaux lourds. Il faut savoir que les métaux lourds comme l'aluminium, le mercure, donc voilà, il y en a certains qu'on trouve dans les vaccins. Les deux même d'ailleurs, on trouve les deux dans les vaccins. Hein. Voilà, ça n'a rien à faire dans les vaccins. Hein. On vous les injecte en direct. Et on en trouve aussi même dans la nourriture industrielle. Voilà. Dans les brioches, voilà pour l'aluminium. Ça les rend plus moelleuses. Mais si vous ne connaissez pas les méfaits de l'aluminium, je vous invite à aller voir. Je ferai peut-être une petite vidéo dessus parce que c'est intéressant que beaucoup sachent ces méfaits. Parce que. Il y en a qui ne se rendent pas compte, j'avais vu dans une vidéo, en fait, il y avait quelqu'un qui voulait devenir autonome, alors, je ne le cite pas, hein, même si je me rappelle, avait gardé toutes les canettes d'aluminium, vous savez, les canettes de Coca, enfin tout ce qui est aluminium, quoi, pour éventuellement refaire fondre, pour refaire faire des objets avec. Donc franchement, c'est à bannir parce qu'il faut savoir que tout ce qui rentre en contact avec l'aluminium, surtout en alimentaire, se retrouve dans notre organisme. Et ça a un effet très très délétère. Je vais peut-être faire une vidéo après sur le mercure, l'aluminium, je vais voir ça. Donc même l'aluminium hein, que vous avez pour la cuisine, il faut savoir qu'il vaut mieux éviter de l'utiliser pour la cuisine, quoi. Surtout si ça rentre en contact avec vos aliments. Donc, moi, j'ai toujours de l'aluminium parce que ça peut servir à autre chose. Par exemple, pour isoler mes bouteilles d'argent colloïdal. Voilà. Pour les conserver plus longtemps. Mais je ne m'en sers pas en direct. Il ne faut pas que ça touche un aliment. Et surtout si c'est un aliment acide. Alors, si c'est un aliment acide. Ben forcément, l'aluminium va se retrouver dans l'aliment. Il faut éviter de faire chauffer. Donc, par exemple, les pommes de terre au barbecue, voilà, ça, je l'ai fait pendant des années. Je ne le savais pas au début. Bien sûr, maintenant, je ne le fais plus. Voilà. Donc, on peut se servir éventuellement de l'aluminium pour les faire au barbecue. Sauf que moi, entre l'aluminium et la pomme de terre, je rajoute un papier sulfurisé. Enfin. Un papier qui va protéger, je ne sais plus ce que je mets comme papier, un papier en fait qui protège de l'aluminium. Mais bon, par précaution, j'aime autant les faire en pot, donc ne plus les mettre au barbecue. Je préfère ça que de me manger encore de l'aluminium. Je m'amuse pas à le sortir de mon corps pour en rajouter. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'en ai fini avec le Shilajit pour le moment. Donc, je vous laisse faire vos propres recherches, hein, parce qu'il y a d'autres liens. Donc, renseignez-vous de votre côté. Allez, salut!